du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouch, mouch, dis-moi comment c'est là-bas. Mouch, mouch, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouch, mouch, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un taxi pas comme les autres. Popo, Mita, vous êtes là les copains? Oh? Mouk, ça va pas? Super, je commençais à m'ennuyer. Mita n'est pas là, elle est en... Popo, devine un peu ce que j'ai trouvé au vide-grenier. Un livre. Mm-mm. Un jeu. Mm-mm. Un ballon. Bah dis-nous, t'as trouvé quoi? Oh, coucou Mouk et Chavapa. Dada. Génial. C'est quoi? On voit rien, nous. Regardez, une de plus pour notre collection. Wouah, j'adore les boules à neige. C'est marrant, nous aussi on en a acheté une aujourd'hui pour votre collection. C'est vrai, comme c'est gentil, j'ai hâte de la voir. Y'a quoi à l'intérieur? Il y a une des sept merveilles du monde, le Taj Mahal. C'est un immense palais tout en marbre, avec des pierres précieuses, et c'est pas des blagues. Waouh! Même qu'il faut le voir au coucher du soleil. Les gens disent que c'est là que c'est le plus beau. Nous, on a failli rater ça, c'était moins une. Vas-y, Mouk, raconte-leur. Eh bien, on venait d'arriver à Agra, en Inde. On faisait tranquillement du vélo dans les rues de la ville. Tu te rends compte, Chavapa? On va voir une des sept merveilles du monde. Oui, je sais, Mouk. Le Taj Mahal au coucher du soleil. Mais vu que c'est ce soir, on a peut-être le temps de manger. Ah non! Mouk, attends-moi! J'en peux plus. Waouh, t'as vu ça, Chavapa? T'imagines si on devait transporter des gens par cette chaleur? Ben moi, j'aimerais mieux être à la place du passager. Oh, regarde! Un atelier où on répare les vélos. C'est rigolo, ça. Ouais, peut-être. Oh, je suis épuisée. Oh, ton vélo. Mon vélo. Stop. Arrête-toi, vélo. Mais arrête-toi. Oh non, mon vélo. Il est tout cassé. Bon, on va remonter et le faire réparer. Encore un petit effort et on y est presque. Oh, oh. Mon, ton vélo. Non, mon vélo. J'espère qu'ils vont pouvoir les réparer à l'atelier. Alors, c'est grave? Non, c'est rien du tout. Mais je me demande comment vous avez réussi à faire ça à vos deux vélos. Ben, en fait, je me suis assis pour me reposer. On voulait voir le Taj Mahal. Et là, mon vélo est parti tout seul et boum! Alors, on est monté et on a dû tout redescendre. Et là, reboum! D'accord, d'accord, je vois. Bon, alors, à qui est ce vélo? À Chavapa. Et l'autre, c'est le mien. Je m'appelle Mouk. Ravi de vous rencontrer, Mouk et Chavapa. Je suis Monsieur Tarutapan. Alors, Monsieur Tarutapan, vous allez pouvoir réparer nos vélos tout de suite? Tout le monde me demande ça. Et mon vélo tout de suite, et mon rickshaw tout de suite. Vous avez vu un peu tout le travail qui m'attend? Je ne peux pas aller plus vite que la musique, vous savez. Tant que vous ne pouvez pas vous en occuper. Qui a dit ça? Un client ne reste jamais en panne du moment qu'il confie son engin à Monsieur Tarutapan. C'est ma devise. Vos vélos seront prêts demain au plus tard, je vous le promets. Parole de Tarutapan. Merci, monsieur. Pas question qu'on laisse tomber. Il faut trouver une solution. Pour réparer nos vélos? Non, pour voir le Taj Mahal. Oh? Balbir, content que tu sois là. Namasté, mon oncle. Balbir, je te présente Mouk et Chavapa. Ils nous ont apporté un peu de travail. Des fois qu'on en manquerait. Il est super, ton rickshaw. Oui, merci. Je suis un rickshawala. Je passe mon temps à pédaler. Comme nous, on fait le tour du monde à vélo. Waouh! Moi, je fais le tour de la ville en rickshaw et c'est déjà pas facile. Mais le tour du monde? Alors là, je suis épatée. Sauf que là, on n'a plus de vélo. Oh, parce que les deux sont cassés. Et on aimerait beaucoup voir le Taj Mahal. Dis, tu crois que tu pourrais nous emmener tous les deux dans ton rickshaw? Ben, j'ai promis à mon oncle de l'aider à l'atelier. Mais je peux vous prêter mon rickshaw si vous voulez. Oh. C'est vrai? Waouh, c'est super gentil, Balbir.
C'est par où le Taj Mahal? C'est pas dur à trouver. C'est tout droit, toujours tout droit. Vous avez le temps, mais ne ratez pas le coucher du soleil. C'est le moment de la journée où c'est le plus beau. Merci, Belbir. Je vais aider mon oncle. On va réparer vos vélos le plus vite possible. Profitez bien de votre visite du Taj Mahal. C'est pas tous les jours qu'on voit une des sept merveilles du monde. Belbir, tu peux venir me donner un coup de main? Youhou! En route pour le Taj Mahal. Monk! Oui, ça va pas? C'est mon ventre. Bah, qu'est-ce qu'il a, ton ventre? Il me demande quand est-ce qu'on mange. Dis-lui qu'on mangera dès qu'on sera arrivé. Pourquoi pas maintenant? On a plein de temps avant le coucher du soleil. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Oh, tiens, qu'est-ce que je te disais? Eh, tu veux bien te pousser, tu nous gênes. Ça va pas. Tu sais que les vaches sont sacrées ici. Ah oui, j'avais oublié. On n'a pas le droit de les embêter. Bon, ben, on va devoir faire le tour. Pardon du dérangement, madame la vache. Il a dit tout droit. Mouk, j'ai faim. Plus tard. Oh, oh. Oh. Mouk, comment on va faire? On peut plus aller tout droit comme l'a dit Belbir. Excusez-moi, pour aller au Taj Mahal, c'est par là ou par là? C'est par là. C'est mieux de prendre par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Ah, merci. N'empêche, c'est beaucoup mieux par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Mais c'est mieux par là. Qu'est-ce que tu fais, ça va pas? Tu te prends pour un rickshaw à là? Non, mais cette fille a cru que j'en étais un. C'est moi qui pédale, t'as oublié? Et puis en plus, on n'a pas le temps. Bon, d'accord. Au revoir, grand-mère. Je ne vais pas loin. Prenez à droite. C'est beaucoup plus dur avec deux passagers. C'est mieux par là. Mais ça va plus vite en prenant par là. Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que c'est? Des samosas et des chapatis. Merci pour le voyage, jeunes gens. Merci à vous pour les chapatis et les samosas, madame. Avec ça, je vais enfin pouvoir me régaler. Mais d'abord, on doit trouver le Taj Mahal. La dame nous a dit gauche, gauche, droite, gauche, droite, et ensuite on y est. T'es pas fatiguée, Mouk? Ah si, un petit peu. Alors on fait une petite pause, comme ça on peut goûter toutes ces bonnes choses, et après c'est moi qui pédale, d'accord? D'accord, ça va pas. Ça, c'est une proposition qui se refuse pas. Qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, c'est délicieux. Bon, allez, faut y aller maintenant. C'est quoi le chemin déjà? Gauche et puis... Oh non, je m'en rappelle plus. C'est pas grave, on finira bien par trouver. Rickshaw! Tiens, pourquoi tu t'arrêtes? Je sais pas, j'ai entendu rickshaw. Du coup, je me suis arrêtée. Désolée, mais on n'est pas des rickshaw voilà, et en plus, on est pressé. Oh, s'il vous plaît, je suis en retard et mon père m'attend. On doit se retrouver pour jouer de la musique. Bon, d'accord. Et puis qui sait, avec un peu de chance, ça nous rapprochera du Taj Mahal. Plus vite, ça va pas, on va rater le coucher du soleil. Plus vite, il est marrant lui. Deux personnes et un instrument, c'est beaucoup trop dur. En fait, le rickshaw, c'est pas du gâteau. Hein? Ici, venez. On va jouer pour vous. Pour nous? Hein? Pour aujourd'hui. Je suis désolée, Mouk, c'est à cause de moi si on n'est toujours pas au Taj Mahal. Mais ne faites pas cette tête, tout va bien, il n'est pas trop tard. Le Taj Mahal est là.
de l'autre côté de cette porte. Sans blague. Waouh, c'est magnifique. Je comprends pourquoi on dit que c'est une merveille. C'est vrai, n'empêche qu'on l'aurait jamais vu si j'avais pas aussi bien pédalé. Ouais, t'as raison. Oh oui, on a même eu le temps de manger. Oh, j'aimerais tellement voir un palais de contes de fées comme celui-là. Tu pourras bientôt le voir de près. Tadam! Wow! Elle est super belle. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est vrai. Et vous aussi, comme amis, vous êtes pas mal non plus. Ha 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 ha